à tous, la team. Alors j'avais aujourd'hui envie de partager avec vous une expérience au-delà du réel. C'est-à-dire que quand j'y pense, dans ma tête, j'entends... C'est-à-dire, je suis arrivé devant, il y avait Mulder et Scully. Il y a pas longtemps, je suis un gros délinquant sur la loi, j'ai roulé à 7 km/h de plus. Bon, mais ne me jugez pas, hein, ne me jetez pas la pierre, ne vous désabonnez pas, je suis un grand voyou, je suis le diable. Et là, j'ai reçu un papier de majoration, parce que j'avais jamais reçu. Si, j'avais jamais reçu. Bon, de toute façon, je t'avoue, j'avais pas envie de payer. Parce que quand je vois qu'Emmanuel Macron, avec son chauffeur, il peut rouler à 250 plus vite que la fusée Ariane, il va jamais rien payer, j'ai envie de leur dire juste, nique ta mère. Voilà, nique ta mère, au moins c'est sorti. C'est le premier nique ta mère de la vidéo en 36 secondes. Et là, donc j'ai dit, je vais pas aller à la préfecture, je vais les appeler quand, tu sais, je vais me renseigner. Il y a marqué que c'est ouvert, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Parce que quand tu appelles, tu entends quoi? Pour taper 1, taper 2, pour taper 2, taper 3, pour taper 3, taper 4. Et tu entends même pas les choix, t'entends... Il y a que pour payer, là, dès que tu appuies, oui, bonjour, c'est pourquoi? Sinon, tu n'as personne. Tu entends tout, 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 et ça accroche. Donc au bout de 25 appels, je suis à la préfecture, et là, attention. Là, un enfer. C'est-à-dire que là, la préfecture, tu vas voir le diable, tu lui dis dans l'oreille, préfecture, il s'enfuit, tu vois. J'arrive là-bas. Déjà, t'as le vigile entrée, on dirait que t'es à Guantanamo. Le mec, il me dit, c'est là-bas! Le ticket! T'sais, j'ai rien compris. J'arrive là-bas, et je vois 40 000 guichets. Donc, je dis, bon, je vais faire comme tout le monde, je vais être correct. Et tout, déjà, ça m'énerve un peu. Tu sais, ce que t'es là pour rien. Tu vas banquer, tu vas donner ton oseille, alors que c'est tous des voleurs, tous des escrocs. J'arrive là, t'en peux plus. Tu vas donner ton oseille. Donc, tu te fais bien racketter. Il faut dire, merci, j'adore le racket. Merci. Donc, tu sais, je prends un ticket. Et le ticket, donc, j'ai pris les 90. Bon, ça tombe bien, ils étaient aux deux, c'est génial. Et tu dis, bon, ça va aller vite. Non, ça va pas vite. Parce que là-bas, t'as aussi des gens bizarres. T'as par exemple, le mec, c'est jamais lui. Tu sais, il y a sa photo. Il y a un journaliste, il est venu dans la voiture, il a pris en flash comme ça, en selfie. C'est pas moi, madame. J'étais pas bourré, c'est mon cousin, en fait, il avait pris ma... Non, parce qu'en fait, c'est ma sœur. Elle était venue chez mon frère, hein, parce qu'elle avait pris la voiture sans l'assurance. Et ça dure 2 heures. Après, tu as la mamie. Bonjour. Des flashs, mais qu'est-ce que c'est que ça, des flashs? Mais je ne suis pas faute. Des amandes? Ah, oh, mais je préfère les noisettes. Ça dure des heures. Ou alors la meuf qui va absolument passer. Parce que, non, si je pas, non, parce que je veux savoir. Parce que mon fils, en fait, habite dans le Cotentin. Et si il a été, flashé à 14 heures. Ta gueule! Tu fais la queue comme tout le monde. Et après, tu as deux types de guichetiers ou de guichetières. Tu as celui très sympathique. Je suis tombé sur un très sympathique. Bon, même, ça me fait quand même mal au cul de me faire racketter. Très sympa. Et après, tu as celui qui adore le pouvoir. Celui qui suce. Mais alors, il suce. Et là, il fait, ben, il fallait payer aussi, hein. Non, je ne donne aucun enseignement. Non. Non. Payez! Payez! Le mec, c'est Goebbels. Le mec, je te jure, mais il kiffe. Je suis sûr, à la récré, il se faisait voler ses BN, il se faisait défoncer à coups de gifle. Et là, il prend sa revanche. Vous allez tous payer les amendes. Il kiffe. Et des papiers, mais des papiers. Le hiéroglyphe formulaire A, formulaire B, C, en quinconce, équilatéral. Tu comprends rien. Mais en plus, ça t'intéresse pas. Tu n'as pas envie de te faire racketter. Parce que tu sais que c'est du racket. Je te parle pas de mecs qui roulent bourré. Je te parle pas de mecs qui roulent à 90 km/h au lieu de 50. Je te parle de mecs qui roulent à 8 km/h et il se fait casser le cul. Et j'ai toujours la meuf pour dire... Ah, vous avez payé, mais voilà, là, vous êtes correct, vous êtes tellement citoyen. Ça veut dire, écoute-moi à l'amende, je vais te la mettre dans le cul, je te la faire passer par la bouche, alors stop. Donc, j'ai beaucoup de respect aussi pour les gens qui travaillent là-bas, parce qu'attention, ils tombent sur des énergumènes. Là-bas, c'est la faune et la flore. Là-bas, t'as des gens, ils arrivent, le mec, il arrive en liane, c'est Tarzan, c'est des sauvages, tu vois le truc. Mais j'ai vécu l'enfer sur terre, le purgatoire. Et la morale de cette histoire, elle a regardé, elle a dit, ah, mais on s'est trompé. Ah non, vous avez prélevé sur le compte, hein? Non, vous avez trop payé. Mais on vous rend l'argent. Oui. Par contre, faudra revenir parce que là, on ferme. Faudra revenir faire la queue. Mais garde-le, l'argent! Je préfère mourir même que toucher 1 million d'euros que retourner là-bas. C'est l'enfer! L'enfer!